suis Amandine Divet, je suis coach en développement personnel et professionnel. Je suis aussi naturopathe et professeure de yoga et j'ai créé la société Eleutheria Coaching. J'ai eu un peu cette idée folle que si chacun accomplissait sa mission dans sa vie et était aligné avec lui-même, le monde irait beaucoup mieux. Donc finalement, la mission d'Eleutheria, Eleutheria ça veut dire liberté en grec. Donc l'idée c'est de libérer les personnes de leurs blocages et de les aider à exprimer leur plein potentiel. Alors je propose plusieurs types de prestations. J'ai des prestations pour les particuliers, donc soit du coaching en développement personnel ou professionnel, donc ça peut être du coaching classique ou du laser coaching, donc là c'est plus ciblé, plus court et plus intense. Je propose également de la naturopathie pour les personnes qui veulent travailler sur leur santé, leur hygiène de vie. Je propose du yoga et du fitness pour les personnes qui veulent travailler sur leur bien-être en général. Pour les entrepreneurs, je propose également de l'aide à la création d'entreprises pour les aider à se poser les bonnes questions et développer une stratégie qui soit pertinente. Pour les entreprises, je fais du coaching d'équipe, je fais du coaching également individuel, de manager, et je conseille aussi pour la qualité de vie au travail. Et puis enfin, je propose aussi des masterclass et des retraites de plusieurs jours, où là on est vraiment sur une expérience transformatrice pour t'aider à travailler sur un projet perso ou professionnel. Alors j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Il m'a failli me remettre en question plusieurs fois pour trouver le courage vraiment d'exprimer ma vocation, ce que je voulais faire dans la vie. J'ai commencé en tant qu'acheteuse dans la mode, mais ça manquait de sens pour moi. Donc finalement, j'ai fait une première reconversion professionnelle en tant que naturopathe. Je me suis formée auprès d'ISUPNAT et j'ai exercé plusieurs années. J'ai aussi travaillé dans un magasin bio et j'ai aussi eu un restaurant biologique. Et j'aimais travailler sur ces problématiques d'éco-responsabilité aussi, ce qui m'a amenée ensuite à retourner dans la mode, mais en tant que chargée de projet développement durable. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je préférais travailler avec les gens pour les aider, eux, à trouver qui ils étaient et à s'exprimer. Donc j'ai décidé de me former au coaching. Donc j'ai fait une formation avec MHG Formation et j'ai aussi une formation de laser coaching et j'ai également fait une formation de professeur de yoga. Ça m'a permis vraiment de mettre tout ça en place, d'avoir plein d'outils différents. Et enfin, en 2021, j'ai créé Eleutheria Coaching pour pouvoir proposer tous ces outils à mes clients et pour les aider à se transformer et à réaliser leurs rêves.